On y va. Tu vas le rappeler. Il faut commencer. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la 9e année du service du président Vincent Lacroix. Dites-nous, qu'est-ce qu'il s'est voulu un patriote. Guinéen. C'est notre préféré qu'on m'appelle Guinéen. Que de l'identifier à une communauté où il y a une région. C'est un patriote, un combattant, un soldat. Et là, ça lui fait un plaisir qu'on m'appelle général. C'est un soldat avec la discipline militaire que nous avons connue dans le temps. C'est ce symbole que je retiens de lui. Je retiens de lui un travail. Quelqu'un qui aimait parcourir tout le pays dans le véhicule. Il aimait dire qu'il allait rester sur l'État. Et partout, des fois on lui voit l'hélicoptère, lui revient. Il voulait connaître le pays. Et il l'a connu en tant que militaire, il l'a connu en tant que président. Alors pour vous, quel héritage a-t-il laissé au Bénin ? Qu'il souhaitait que le Bénin soit dans l'unité. Il aime l'unité de la nation. Il a tout sa vie, soldat, avant d'être président, président. Donc, c'est l'unité de Guinée qu'il préfère, plus que ça. Ah, vous avez été un de ses cadres, un proche plutôt. Dites-nous comment il travaille avec ses cadres. C'est monsieur Tressé, qui est beaucoup, beaucoup. Et qui parle peu. Et chaque fois qu'il avait affaire à un cadre, à un dossier, il cherchait à savoir si ce qu'on dit est bon pour la Guinée ou pour la Guinée, s'il est profitable à ses compatriotes. Si oui, ou d'autres. Si non, il pose un problème. Une fois, on a pu parler du ciment et que l'exportation se ferait par le port de Libéria. Il a posé une simple question. Dans tout ça, combien de Libériens gagnent et combien nous, Guinéens, on gagne. Quand on vient dire, et bien d'autres viendront exploiter, mais sinon ça passera par le territoire guinéen. D'où le fameux transguinéen qu'on n'arrive pas encore à réaliser. Donc, il ne privilégiait que les intérêts.